Hey les techniens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Ankel et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo pour savoir comment utiliser Dash Panel. C'est ultra simple. Donc je vais vous montrer dans 3, 2, 1. Donc voilà, ici donc vous allez télécharger l'application Dash Panel. C'est très très simple. Et vous allez directement dans connexion. Donc ici vous allez voir que moi sur ma console je vais marquer vu que je joue à F1 2019. Là, il y a marqué l'avant-dernière ligne data listening for F1 2019 data at et mon adresse IP. Enfin, l'adresse IP de l'UDP. Donc, l'UDP, c'est quelque chose qui permet d'envoyer. Donc, c'est ça en fait l'UDP. L'UDP, c'est ça. Voilà. Donc, là, moi, j'ai cliqué sur ça. Et donc, moi, j'ai marqué AutoConnect pour que quand je lance l'application, ça se connecte automatiquement et que je joue directement au jeu. Avec l'ATH. Et sur votre console, donc vous allez faire paramètres, enfin options de jeu, paramètres, paramètres de télémétrie. Et une fois que vous avez fait paramètres de télémétrie, vous allez marquer donc l'adresse IP. Donc moi c'est 192 tatati tatata. Et le port. Donc le port c'est bien évidemment ce que vous allez marquer à port. Donc c'est très très simple. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez lancer une course et vous allez directement en sélectionner un. Donc moi, par exemple, je veux F1 2019 parce que je joue à F1 2019. Et je vais cliquer sur, ici, vous voyez, quand je clique dessus, il y a quelque chose qui s'illumine. Je clique dessus, il y aura démo mode. Et voilà. Bien évidemment, pour que ce soit le plus fluide possible, il faut mettre 60HZ. Et ne pas mettre le mode diffusion, parce que le mode diffusion, ça vous le met en décalé en fait. Et c'est pas bien. Mais alors pas bien du tout, et c'est très chiant. Donc les potes, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, je crois que c'est pas... Ah, merde, il n'est pas connecté à mon téléphone. Parce que sinon, je vais vous montrer en fait que ça fonctionne. En fait, si vous suivez mes instructions, les potes, ça va fonctionner. C'est très simple. Et ça fonctionne parfaitement. Franchement, c'est plutôt pas mal. Donc là, vous voyez que moi, là, ça fonctionne pas. Mais bon, ça, c'est pas le grand problème. Parce que le grand problème, c'est qu'en fait, vous n'aurez pas tous les datas. Donc je m'explique. Les datas, c'est les kilomètres-heure, les laps, la position, le temps, la pression des pneus, le DRS, le ERS, les yellow flags, etc. etc. Donc pour cela, vous devrez aller sur Shop et vous allez prendre si vous jouez à justement au F1, à Dirt 4, à Dirt Rally 1 et 2, etc. etc. Vous marquez Codemaster Full Data Dash Panel. Et à l'heure où sort cette vidéo, il y a 1 € de remise, ce qui fait qu'il est à 3,19 € et non pas 4,19 €. Pareil pour si vous jouez à PC Car. Donc moi je vous ai montré pour F1 2019, mais PC Car c'est encore différent. Je vous ferai une vidéo dessus, peut-être dans pas très longtemps ou dans longtemps, je verrai. Donc voilà. Et là, donc du coup, vous allez aller sur PC Car, tranquille. Et là, pareil, il y aura une remise. Bien évidemment, si vous achetez les deux, il y aura une remise, mais en tout. Donc au lieu de payer 8,40 € à peu près. Eh bien, vous payerez 7,40 €. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao! Je suis désolée de vous le dire maintenant, mais il faut être connecté au même réseau Wi-Fi.